Salut à tous, c'est Narm de retour sur Assassin's Creed Origins pour péter le cul de Septimus, normalement. Et de Ptolémée ensuite, là, après l'autre. Oh, quelqu'un qui m'a poursuivi. Attends, je suis obligé de passer comme ça, et boum dans l'arène. Ouh, t'es énorme. Ah, l'idiot se montre enfin. L'idiot? T'es sûr? J'ai tué deux boss d'affilée, là. Tu vas bientôt retrouver tes dieux. Non, c'est toi qui vas retrouver tes dieux. Bah, oh, j'aime pas ça. Nous nous battons enfin. Non. Tu es prêt à mourir? Non, je suis pas prêt à mourir. Être jugé, Septimus. Tu seras bien content. Wow, pas bon. Ok. Boum, boum. Ah, tu fais moi ton malin là. Hein. C'est qui le boss? Hop, hop, hop. Non. Il me fait peur avec son tourbilol là. Non. Non. J'ai dit non. Est-ce là toute ta furie, Medjay? Ça explique pourquoi ton pays a ma furie. Waouh. Attends, j'étais derrière, mec. Ton souffle. Et tu vas goûter à ma furie. Tu vas goûter à ma grosse lame dans tes testicules. Oh, raté. T'as vu ça comment je t'ai esquivé? Je t'ai esquivé. Raté. Encore une fois, t'es trop nul, mec. Wow, non, non. Ah, deux d'un coup, là. Non, non, non. Le cœur et le donner au crocodile, bah, Septimus. Le crocodile est mort. Arrête de dire des conneries, Bayek. Wow, non. Wow, oh, 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 mange ton critique. Ah bon? Ah bon? Et là, c'est ce que j'appelle gagner, moi. Ah, t'as mal, hein. Confirmez la mort. Sérieusement. Je t'ai manqué. Oh, il est pas mort encore. Mais combien il lui faut des coups de lame à lui là? Bref, un bon coup pour se débarrasser. Bayek. Pourquoi? Septimus est un Romain. Il a tué mon fils. Il sera jugé selon nos lois. Non. Il a tué mon fils. Ouais, vas-y Bayek. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, défonce. Cogne-le! Ouh, qu'est-ce qui se passe? Eh, Ptolémée, tu vas te faire assassiner? Non. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec les souvenirs? What? Aya? Pourquoi? Parce qu'il allait se faire bouffer par les crocodiles, tu l'as pas sauvé? Ok, d'accord. Elle a pas obéi à sa reine, n'empêche, Aya. Pas très bien. Et Septimus qui se relève. Est-ce que César va vraiment le faire juger? Le pharaon est mort! Ouais! Vive la reine! Je pense que vous l'aviez déjà calmé, il suffisait de lui mettre des menottes, hein. Pas besoin de le cogner, Bayek. Sérieusement? C'est comme ça que vous traitez vos alliés, les mecs? Non, je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord. Ils vont me mettre en prison, je vais devoir m'échapper. Est-ce qu'ils vont me piquer mon équipement? J'espère pas. Cet équipement venant de Dieu! Ce pourquoi... Wow. Deux semaines plus nous tard, avons okay. œuvré si longtemps est entre nos mains. Nous avons vaincu tous nos ennemis. Moi seul peux mener l'Égypte vers une nouvelle ère de bonheur. Nous avons vaincu. Et de prospérité. Ah, c'est le sceptre de... Le fameux sceptre dont il parlait sur le texte du tombeau d'Alexandre. Ah, les enfoirés. Je savais qu'il allait pas le tuer, c'était trop bizarre cette histoire. Le fait qu'ils assomment Bayek, qu'ils veulent pas le tuer parce que c'est soi-disant un Romain. Et donc l'ordre des anciens maintenant mène le bateau, mais derrière Cléopâtre. La trahison que j'avais sentie venir depuis le début. Bande de salauds. Attends. Tu es du côté de Septimus maintenant et nous sommes bannis du palais. Je ne condamne pas le venin dans tes yeux, mais écoute-moi. Parle et fais vite, ou tu te retrouveras du mauvais côté de ma lame. Je pensais qu'ils allaient se faire exécuter, nous mais non, c'est bon. Nous n'avons plus besoin de tes services. Cléopâtre t'a offert de l'or.
Je suis désolé, Aya. Et voilà. Désolé. J'avais raison, c'est servi nous. Nous lui avons tout donné. Elle nous doit sa couronne. Et elle se tient près de lui. Et où est la justice qu'on nous a promise? Septimius devait être jugé par Rome. César protège l'ordre. Et oui. Ces compromis ont fait de Cléopâtre notre reine. L'homme qui a tué notre fils est maintenant ton allié. Tu comprends qu'on ne reculera devant rien pour le tuer? Et pour tuer la reine aussi? Et César? César te reproche la mort de Ptolémée. Pardon? Un pharaon, un dieu, je ne peux rien faire. Je me moque de ce que pense César. C'est avec Cléopâtre que j'ai conclu ce pacte. Laisse-moi du temps. Je vais arranger cela, Aya. D'ici là, je t'en prie, sois prudente. Tout n'est pas tel qu'il le paraît. Traître. Je pense que... Non, lui, c'est pas un traître. Je pense que lui, il est sincère dans ce qu'il dit. Et à mon avis, c'est senti trahi peut-être aussi par la reine. J'aime les mots, mais je ne sais que dire. Oh, il est en vie encore. Cléopâtre a été empoisonné par Rome. Cool. Et nous, par sa traîtrise. Nous brûlerons avec l'Égypte. Cléopâtre empoisonné par Rome. L'ordre est plus puissant désormais. Il tient Rome. C'est donc là notre confrérie. J'ai eu tort. Je suis responsable. Ouais. Pourquoi? C'est pas toi, mon fils est mort. J'ai réagi avec rage. Et c'est Aya aussi, hein. Avec violence. Et ça n'a fait que les rendre plus forts. C'est qui les filles en capuche, là? Nous sommes tous différents. Je connais pas. Mais nous avons combattu côte à côte pour que Cléopâtre monte sur le trône. C'était une erreur, mes amis. Mais c'est une erreur qui nous a réunis. Maintenant, nos ennemis triomphants se cachent derrière des couronnes. Ils sont tapis dans l'ombre des rois et des reines. C'est là qu'il va créer la confrérie des assassins. Qui se cachera dans l'ombre du peuple? Moi, Bayek. Nous. Quelque chose va naître de nos épreuves. Et voilà. Cela commence aujourd'hui. Et voilà, je l'avais dit. Nous devons poursuivre le combat et défendre la volonté du peuple. Peu importe sa taille. Notre confrérie est le seul espoir, et notre royaume n'a pas besoin de couronne. Ce en quoi nous croyons, nous, nos valeurs, notre credo, nous unifiera. Ouais. Et je promets... Nous agissons dans l'ombre pour le peuple. Au nom de tous les fils d'Égypte, que je serai le père que je n'ai pas été à Siwa. Que tu vas protéger tout le monde. C'est beau ce que tu dis, Bayek. Ce qui est extraordinaire, c'est que... Pour la confrérie. Cet état d'esprit, cette valeur va rester au fil des siècles. Même si plusieurs fois la confrérie aura des hauts et des bas, mais parmi les membres de la confrérie, c'est un état d'esprit qui va rester ancré. C'est assez surprenant. Je me suis fié à la mauvaise déesse. Parce que souvent, ça évolue. Mais il reste une chose à régler. Septimius. Il a pris le bâton d'Alexandre. Pourquoi? Tu as raison. Pour l'ordre. Flavius et lui s'intéressaient au tombeau d'Alexandre. Commençons par là. Et il a caché quelque chose de la technologie des aliens, peut-être. Épreuve d'Anubis. Non, je veux pas faire ça. Parlez à Aya, ok? Je parle à Aya. Je vais détruire Cléopâtre pour ce qu'elle a fait. Attends-moi. Pense surtout à ce qu'il faut faire maintenant. Que reste-t-il, Bayek? Nous reste-t-il une seule chose? Je le reconnais. Notre terre, notre pays. Je me suis trompé. Nous devons continuer, Aya. Je pensais qu'ils allaient nous mettre le meurtrier de Kemo. En conflit contre Aya, mais finalement non. Nous irons jusqu'au ou qu'ils allaient la tuer. Des gardes, devant. Moi, j'aime nous quand... Nous allons les massacrer pour prouver nos intentions. Quand le jeu me... L'histoire me fait me tromper. Là, tu vois, je suis content du jeu. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas été ensemble plus de quelques jours. Des jours? Cela passe si vite. Aya. Surtout quand t'es occupé. Le chemin qu'on a choisi. Seulement si tu comptes en jours plutôt qu'en objectifs, Bayek. C'est ça. Bien, nous devons nous dépêcher. Ce qui compte, c'est d'atteindre tes buts dans la vie. Hop. Ce sont tous des Romains. Des hommes de César. Bah, tant mieux, on aura moins de remords à les tuer. Hein. Si c'était des Égyptiens, on aurait plus de mal. Ni vu, ni connu. Où sont nombreux? Non, on ne voit pas là. On ne voit pas, hein?
Non, ils me voient pas. Ils m'ont pas entendu, je suis trop discret. Trop silencieux. Je suis l'ombre, je suis la nuit. Je suis un assassin. Tu viens ou pas, Aya? Ah, c'est bon. Des fois, c'est bizarre ce qu'ils font les bottes. Il y a un truc au fond? Ah oui, il y a un truc au fond. C'est Apollodorus? Ah oui, c'est Apollodorus. Vite, dépêchons-nous. Vous n'auriez pas dû vivre. Wow! Nous sommes chez nous. Hop. J'avais pas vu lui. Enfin, quelqu'un a tué. Lâchez. Aïe. Non, trop de monde. Viens. Ah! Non. Aïe! C'est pénible quand ils font. Quand ils font ça! Viens. Enfin, allez, viens. Quelqu'un a tué. Hop. Non. J'ai dit non. Non, tu ne mourras pas. Ah! Non. Ah! Salope. Ah, c'est vrai qu'il faut que je fasse tout le tour. Viens. Boum. Oh, 1200. Bim. Prends ça. Viens. Comme tout daddy. Et boum. T'es mort. Voilà. Une fois pas deux. Cesse de t'agiter. Tu vivras. Flavius est derrière tout ça. Oh, je suis désolé. C'est Flavius qui a tué votre fils. Ça change à chaque fois. Ils sont venus ici. Ils m'ont pris l'orbe. Arrêtez les mecs. Ils vont à Siwa. Siwa? Bayek. Chaque fois ils changent de mec. Septimus, Flavius. Avant c'était le scorpion ou je sais plus quoi. Partez vite. Ah mince. Apollodorus, tu vois. Le sacrifié dans l'histoire. Oh non. Moi je l'aimais bien Apollodorus. Je suis triste. Et l'orbe. Bon voyage. Ah oui, parce qu'il faisait des recherches sur lui. Vers la maison d'Hadès. Je me rappelais plus trop qu'Apollodorus. Le lion, Flavius. Hein? Donc l'ordre était là depuis le départ. Pourquoi alors ils m'ont... Je comprends pas. Si Flavius était dès le départ dans l'ordre, pourquoi ils nous ont fait attaquer Septimus, sachant qu'il était aussi dans l'ordre? Septimus aurait dû être directement avec César. C'est pas clair l'histoire quand même là. Hein. Il y a des trucs. Mouais, hein? Tout n'est pas encore bien clair. À force de faire trop d'effets de style. D'un coup c'est un machin, d'un coup c'est machin, et à chaque fois des effets de surprise. Au bout d'un moment, c'est bien bizarre. Bruit. Même les animaux se taisent. Ça sent la mort. Qu'un fléau a frappé le village. Une maladie peut-être? C'est cette vipère de Flavius. On aurait dû lui arracher les entrailles il y a longtemps. Il faut qu'on aille à la crypte. Tu pouvais pas savoir. C'est. Attends, on est à Siwa là? Des soldats romains. Ils ont massacré Siwa. Doit être ceux de Flavius. Oh. On va être discret du coup. Hop là. Je suis discret. Non. Vous voyez un cheval. Il court tout seul le cheval. Je vous assure. Il y en a d'autres? Bah, y a d'autres mecs. Des ennuis devant. Ah bon? Wow! Ah, j'avais pas vu qu'il me suivait, les salauds! Wow! Oh! Raté! Par contre, il est UI à l'enfoiré! Ah! Non! Non! Allez, meurs! Meurs! Et pourtant, je l'attaque dans le dos là! Y'a là! Genre, tu m'as touché! Tu m'as pas touché là. Ah, Aya s'est occupé de l'autre, nickel. Par contre, il y a les autres qui arrivent. Vite. On est en mode fufu. On n'est plus là. Disparu. Pourquoi Siwa? Pourquoi à chaque fois attaquer Siwa? Ils ont rien demandé à Siwa. Ils ont rien fait. Pourquoi les pauvres gens? Oh non, elle est en train d'agoniser. T'as mal au ventre. Ça me rappelle au début du jeu quand j'avais pas la lame d'assassin que j'arrivais derrière. Avec l'animation de mort d'assassinat et que les mecs se tenaient le ventre alors que je les cognais dans la tête. Je suppose que le sceptre doit activer quelque chose avec l'orbe. Depuis le début, c'était Flavius. Ou en touchant l'orbe, peut-être. Et les Romains en Égypte pour s'emparer du pouvoir absolu. Il lui a fait confiance, comme des idiots. Peut-être qu'il était conscient de ça aussi, César.
Je suis pas totalement sûr que César ou même Cléopâtre n'étaient pas totalement avec les anciens. Ils font pas partie des anciens, mais ils sont peut-être conscients de leur implication. Voilà. Santé ! Voilà ! Oups. Oups. Vaut mieux que j'y passe. Que je passe devant eux en les tuant discrètement. J'aimerais pas avoir à les combattre et alerter tout le monde. Vite. Il y en a un là. J'appuie sur F. Et F. Enchaînement. Quick. Nickel. Voilà. C'est à ça que sert l'enchaînement. Pour pouvoir tuer des mecs. Ah oh, rapidement. Non. Non. Non, non. Tu ne vois personne, je t'assure. Il n'y a personne. Attends. Il y en a un deuxième là. Je l'ai vu. Donc attends, je vais m'occuper de lui. Et enchaînement. Il est où l'autre? Ah bah il est pas là. Il me semblait avoir vu un deuxième mec, non? Ah si. Il est là. Attends. C'est dangereux par ici. Non, sans blague, Aya. Merci, Aya. C'est gentil. Par contre, Aya, il la voit pas. Très bien. Cool. Bienvenue. Oh, c'est bizarre. Il y en a un autre? Non. Attends. Comme par hasard, il se tourne. Hop là. Oui. Surtout, les gros, j'ai pas du tout envie de les affronter directement. Hein. Il y a encore des gens là. Discret, Bayek. Discret. Ça y est. What? Des ennuis. Sérieusement. Boum. Et quick. Hop. Oh, il y en a un troisième. Non. S'il te plaît, non. Quick. Boum. Et boum. Alors lui c'est un gros. Donc on va se le faire à l'ancienne. Boum. What? Oh. Aïe. Ah il m'énerve. Surtout sur... C'est ce que j'allais dire, c'est que sur le précédent, dans les pièces comme ça qui sont petites, ou dans les escaliers où t'as pas du tout les bonnes animations, les mêmes animations, tout ça, c'est insupportable. Il y en a un autre là. Non, tu m'as pas vu, on va t'esquiver vite. C'est insupportable. Les combats sont extrêmement difficiles. La crypte dessous, mettez-vous à l'abri. Regarde, la crypte. Ils ont peur d'ouvrir la porte. Il a paru comment, lui? Il s'enfuit. What? Attention, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oh. On doit découvrir ce qui s'est passé. Bayek. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes entrés dans la droite. Non. Qui aurait pu imaginer un tel spectacle? Tu l'as déjà vu, Bayek? Aucun dans la pyramide. Ne devrait t'approcher aussi près des dieux. Ouh. Des dieux? Non. C'est des aliens. Ce ne sont pas des dieux. Qu'est-ce qu'il dit, Bayek? Qui a créé ceci? Les dieux eux-mêmes? C'est toute l'histoire de l'humanité. Comment tu sais que c'est toute l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que tu racontes? Bayek. Qu'est-ce que... C'est attends. Ebzefa. Ah non. C'était... Attends, c'était le pote du début, ça? Oh, mon Semi. Oh non. Ta vie a pris fin dans la poussière du désert. Ils ont pris tout le monde, là. Le fils, le meilleur ami... Mon meilleur ami. Nous devons notre allié, Apollodorus. Non! On ne peut pas le laisser ici. Il mérite de vrais adieux. Bah ouais. Il était gentil. Il nous a aidés à nous retrouver, à nous raser la barbe, à nous tailler les cheveux. Vas-y, Bayek. Je suis avec toi. Ah, c'est gentil. Zepha ignorait tout de l'ordre. Par contre, on aurait pu... Il n'y avait aucune raison de le tuer. Fouiller la pièce. Flavius lui a arraché le cœur pour m'adresser un message. C'est lui qui a tué Kemu. Mon époux. On sait pas si c'est lui. Ça se trouve, quand on va le tuer, il va nous dire c'est pas moi qui l'ai tué, c'est encore quelqu'un d'autre. Les gens sont tous levés maintenant. Qu'est-ce qui leur est arrivé, hein? Bayek. Oh. Ils étaient endormis? Tu as trouvé. What the fuck?
J'ai vu ce qui s'est passé. C'était horrible. Ah, c'est mamie. Les chefs romains sont venus à la crypte du temple. Septimius. Ça, on sait. Les objets qu'ils portaient l'ont ouverte comme l'aurait fait la main d'un dieu. Hebzepha a tenté de les arrêter, mais ils ont fait de lui la faute. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Septimius, comment il a pu se relever de ses blessures après ils ce que je lui ai fait? Ils sont entrés dans la crypte. On aurait dit qu'un feu bleu en sortait. J'ai fui, mais en vain. Tous les habitants ont perdu la raison. Ils sont tombés comme des poupées. Ah. Ils ont détruit Siwa. Voilà qui explique cela. Vous devez mettre fin à tout ça. Bayek, Aya, les prières de tous les habitants du village vous accompagnent. Les ordres, tu veux dire. Occupons-nous d'abord d'Hebzepha. Ensuite, nous rendrons la justice. Est-ce qu'il est très très mal en point, Hebzepha? Il a besoin de soins. Hein, n'est-ce pas, mamie? Tu pourrais t'en occuper, comme tu l'as fait avec moi? Laissez passer les embaumeurs. Prions pour qu'Anubis accepte cet ornement à la place de son cœur. Prions pour qu'Hebzepha puisse arpenter les champs de roseaux. C'est le problème, je trouve, avec les jeux, des fois, quand ils font des histoires comme ça. C'est que... ils te mettent des mecs que tu tues, que tu matraques de coups, et après ils se relèvent comme ça. Hebzepha, où es-tu maintenant, mon ami? Il est avec ton fils. Il marche dans les champs de roseaux. Ah, c'est triste. Parlez Arabia. Arabia? Bayek. Excuse-moi, je t'ai un peu forcé dedans. Voulu que tu aies ceci. C'est l'arme qu'il préférait entre toutes. Je suis honoré. Merci. Épée normale, j'aime bien épée Hebzepha. C'est pas une épée divine, je suis pas sûr de vouloir l'utiliser. Ah, on va parler par rapport à Les villageois ont capturé un soldat romain et l'ont interrogé. Flavius est parti pour Cyrène et Septimius pour Alexandrie. Ok, donc on va se séparer. Flavius. Il y a une ferme à la frontière à Cyrène. Quelqu'un aura peut-être vu passer Flavius. De mon côté... Assure. Je vais arracher le cœur de Septimius. Et voilà. J'ai l'impression que le chaos nous suit. Partout où nous allons. Et on nous sépare à chaque fois. C'est difficile. Je ne veux pas abandonner, mais... Chaque fois que je pense à toi, je pense à Kémon. Et à tout ce qu'on a perdu. Moi aussi. Alors pour le moment, nous tuerons. Adieu, Aya. Septimius, pour moi, j'ai déjà tué. Hein. Maintenant, c'est à toi de le faire. Chacun notre tour. Hein. Pas tous en même temps, s'il te plaît. En tout cas, c'est tout le temps que j'ai pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, me laisser un commentaire en vous disant à la prochaine. Ciao.